J'ai super bien dormi. C'est génial. Je suis content de vous retrouver. Nous sommes au Paris Audio Vidéo Show 2021. Pour les personnes qui n'étaient pas là hier, il faut savoir que c'était un grand salon jusqu'à ce soir, 18h. Vous avez encore le temps, c'est dans le coin, de venir nous voir. C'est le retour des salons en physique, des salons où on parle d'audio vidéo, où on voit des gens. Et en plus, c'est un truc de folie qui nous manquait à tous, aux journalistes et même aux marques. C'est pour vous dire à quel point ça leur manquait. C'est un public, c'est des gens. Et ils sont là. Coucou les amis. Et ça c'est le bonheur. Vous vous rendez compte, toutes ces marques qui vous avaient pas pour essayer de vous vendre du matos et tout, en vrai, en live, vous avez beaucoup manqué à toutes ces marques, qui sont donc ravis. On va avoir des plateaux toute l'après-midi. Des trucs vraiment géniaux, de A à Z. On va commencer tout à l'heure avec Focal et Name, mais j'ai un listing qui est très très long et très chargé jusqu'à 18h. Au hasard, comme ça on parlera tout à l'heure de BW, donc Bowers & Wilkins. Il y aura également une session avec Hisense, la première fois. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'après c'est flou, mais c'est mieux pour les rides. C'est la première fois que Hisense vient ici sur ce salon, donc on va parler de Laser TV. Donc ça va être un pied total tout à l'heure avec Hisense. On parlera de Rune. Alors vous connaissez peut-être pas Rune, c'est R-O-O-N. Donc on expliquera ce qu'est Rune parce que moi-même j'ai rien compris, donc ça tombe très très bien. On va m'expliquer avec des mots clairs. Et on aura également un truc qui me fait assez kiffer, c'est Panasonic. C'est la première fois que je vais recevoir Panasonic ici en plateau. Donc Panasonic pour l'OLED, ils vont parler d'un OLED transparent puisqu'ils ont un OLED transparent qui est ici. Mais il faut le dire entre nous, il est transparent, mais c'est la dalle, c'est LG Display, mais c'est normal, LG fabrique toutes les dalles, y compris celles sur téléviseur Panasonic. Mais en tous les cas, on parlera de tout ça, mais pour commencer, c'est une belle session qui va être géniale avec des gens que je ne connais pas du tout, et une marque que je ne connais pas, enfin des marques que je ne connais pas. Il s'agit de Focal et de Name. Alors, place à une partie de la France et tout. Et on peut les applaudir, les invités sont là! Je vous ai fait une intro mérovingienne, hein. Là, je pouvais pas aller plus loin. C'était parfait. Hein. Bon, bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, Pépé. Le cœur des vierges. Ah. C'est génial. Je suis vraiment très content de vous accueillir sur ce plateau parce qu'il y a plein de trucs où on peut parler ensemble. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord un par un, honneur à toi? Donc je suis Mégane, je suis chef produit chez Focal, notamment pour les casques. Bah, très bien, parce que je crois que tu es venue en plus avec des casques. Accompagnée. Accompagnée. Avant que tu débutes, j'aimerais savoir si dans cette salle, cette audience sympathique de joyeux bipèdes de bonne famille, est-ce qu'il y a des gens qui ont des produits Focal? Ouais. Ah. Le truc où tu t'attends, parce qu'il y a 50 personnes qui se lèvent, tu t'attends et regarde, je vous le refais. Est-ce que, et puis tu entends. Ouais. Presque la honte au visage, on en parlait, bah vous aussi, ça ne mettez pas la honte à moi, quoi. Cher monsieur. Bah moi, je suis Mickaël, je suis le responsable de Name pour la France. De Name? Oui. Ça va vous faire le coup. Name, par contre, là, Name, ça dit. Est-ce que la marque dit quelque chose à quelqu'un? Name. Mais dites quelque chose, est-ce que vous entendez? Voilà. Des gens de goût. Voilà, c'est merveilleux. Et toi? Et moi, Régent, chef produit aussi, mais plus pour les enceintes colonnes. Et bien ça, on va en parler. Tu fais l'intégration ou pas aussi? Et l'intégration. Exactement. C'est un truc important parce que moi, ce qui m'intéressait avec ce plateau, c'est de se dire, bon, les gens connaissent Focal, ils causent les casques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est Focal, c'est le car audio aussi. Vous avez des voitures ici, vous êtes quand même parmi les leaders du car audio. C'est incroyable, le car audio. Et il y a également de l'intégration, il y a plein de choses chez vous. Donc on va en parler ensemble. Qui veut attaquer? Je pense que moi, j'ai envie de commencer par attaquer avec les casques. Parce que c'est quand même un truc qui me tient à cœur, parce que je suis quand même allé vous voir plusieurs fois, le beryllium et tout, c'est moi qui fabrique pour vous. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ta gamme, s'il te plaît, de casques, s'il te plaît? Bien sûr, donc chez Focal, on a deux types de casques, des casques ouverts et des casques fermés. Donc ici, j'ai amené le Celesti, qui est notre entrée de gamme dans les casques fermés, qui a été lancé en janvier 2021. On a aussi le Clear MG qui va être l'équivalent un petit peu, mais côté casque ouvert, avec plus de l'aluminium magnésium comme on a sur Celesti, mais du magnésium 100%. Donc la première fois que tu fais ça, c'est ça? Ouais, c'est la première fois. Et ça a été lancé donc en février 2021. Donc c'est la nouveauté du salon aussi à venir écouter. On a un casque en partenariat avec Bentley, puisque Name a un partenariat automobile avec Bentley. On a lancé un museau for Bentley et un casque, le Radiance. Donc, il y a un casque fermé. Et après, on a le beryllium dont tu parlais tout à l'heure avec le casque Stelia qui est le fermé haut de gamme en beryllium et l'Utopia qui est vraiment le modèle flagship aujourd'hui de Focal sur les casques qui est ouvert en beryllium et qui a une qualité de son. Je vous invite tous à venir l'écouter si vous pouvez pour redécouvrir vos musiques. Bah, l'idée de toute façon du casque haut de gamme, c'est d'avoir la signature sonore de la Big One.
C'était votre idée, parce que c'est votre... Avec les casques ouverts, en effet. Avec les casques ouverts, on va avoir aucune paroi qui va venir enfermer le son. Et l'idée, c'est d'avoir le rendu le plus naturel possible et d'essayer de reproduire dans un casque l'expérience qu'on peut avoir en écoutant des enceintes. Là, moi, il y a un truc qui me fait un peu bizarre quand même quand je t'interview. Là, tu as parlé de casque, tu as commencé avec des tarifs assez élevés. On est d'accord, le premier dont tu m'as parlé, donc c'est le Celestiq à 999 euros. Il est combien? 990. Ouais. Donc tu te dis, bon voilà, nous les focales, hop, 1000 euros. Mais vous avez quand même d'autres casques. Ils sont encore en gamme, les Listen ou autres? Vous avez toujours ou vous avez plus? Vous faites plus tout ça? Ouais, non. On s'est concentré plutôt sur les casques haute fidélité. C'est des casques qui sont fabriqués en France, c'est nos propres haut-parleurs avec une technologie brevetée. Donc on a préféré vraiment se concentrer sur tout ce savoir-faire-là qu'on a dans les haut-parleurs. Et avec notre gamme de casques fabriqués en France, à Saint-Étienne. On salue les gens de Saint-Étienne, parce que c'est quand même cool là-bas sur place. C'est peut-être un peu le creuset de ce qui se passe sur place. Ouais. Non, c'est très très bien tout ça. Bon, je me doutais de la direction prise, parce que j'ai vu que vous parliez moins en effet de ces casques. Moi, j'avais acheté le Listen Pro. Je sais qu'il y a des gens qui avaient des Listen aussi. Le Listen Pro, on l'a toujours. Il est toujours celui-là. Ouais, bien sûr. Donc moi j'ai des questions parce que là les gens, de toi, s'ils nous connaissent un petit peu, s'ils savent un peu comment ça se passe sur les salons, s'ils regardent les vidéos de tout le monde, on sait que ces casques existent. Par contre, il y a des trucs, il y a des gens qui me posent des questions, des gens qui sont ici, partout. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore, par exemple, des trous wireless chez vous? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore des casques à réduction de bruit alors qu'on sait que ça se vend comme des petits pains le matin? Et puis vous, Focal, est-ce que... Voilà, la réponse, je la connais. Mais est-ce que... Ça me fait rire d'écouter l'histoire. Quand même, quelque part. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore sur ce créneau qui est Porter? C'est vrai que c'est un créneau où les casques sans fil, on en voit de plus en plus, que ce soit les trous wireless ou les Bluetooth à réduction de bruit. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a pris le parti de se concentrer sur le savoir-faire qu'on maîtrise vraiment, qui va être le haut-parleur avec notre technologie de haut-parleur. Aujourd'hui, on n'a pas la techno pour développer, on n'a pas notre propre techno pour développer des trous wireless, par exemple, au vu de la dimension des haut-parleurs qu'on aurait du mal à produire chez nous. Donc c'est vrai que pour l'instant, on se concentre un peu plus vraiment sur notre savoir-faire. Après, on a des ingénieurs chez Focal qui font de la recherche, qui travaillent bien et à voir ce que l'avenir nous réserve. Non, mais je suis d'accord. C'est une autre version parce que j'avais interviewé également des ingénieurs qui m'avaient dit, et je pense qu'ils ont quelque part un peu raison, voire beaucoup, ils disent, voilà, nous, on a une éthique, on a une philosophie chez Focal. Et on pense que par exemple la réduction de bruit ou certains trucs trop wireless, c'est en dessous de nos critères quelquefois de qualité. Quand on a fait intervenir une réduction de bruit, on est une architecture de réduction de bruit, donc on n'a pas le même type de son officiellement. On modifie quelque chose électroniquement, et le trou wireless, même chose, on est un peu limité. L'idée, moi ce que je ressens avec ce que tu me diras si c'est que vous dirigez vraiment vers un marché où vous voulez vraiment appuyer le fait que vous, c'est la qualité, c'est ces cas, c'est fait à Saint-Étienne, il y a du beryllium, il y a du magnésium, vous, c'est vraiment maintenant votre corps de commerce et vous êtes plus sur quelque chose où il y a du début de gamme. En effet, on va plus axer sur l'expérience quand on va écouter un casque Focal et l'expérience client et le ressenti, l'émotion que va procurer ce casque. Après, aujourd'hui, dans le Bluetooth, on voit qu'il y a des codecs qui commencent à venir avec une très bonne qualité. Donc, on voit qu'on peut avoir aussi une bonne qualité. Vous bossez Qualcomm. Alors, bossez Qualcomm, moi, je vous souhaite une bonne année. Hein. Donc, non, mais d'autres entre Dieu. Hein. Je vais les voir dans peu de temps. Je vais les interviewer sur place. On va s'amuser. Non, mais l'idée, moi, je approuve ça complètement. Hein, mais c'était vraiment une petite idée de base. Donc, est-ce que là, aujourd'hui, tu peux nous parler de projets où il y a, entre guillemets, rien que tu peux nous dire là pour que les gens qui nous regardent soient contents d'être venus ici? Je peux vous dire d'attendre un petit peu et de voir ce qui se passera parce que je ne peux pas vous révéler tout notre plan produit à 2025. Alors, j'ai une question. Tu vas répondre par oui ou par non. Est-ce que vous travaillez par exemple sur des casques anti-bruit ou pas du tout? Oui. Et si on n'a pas tenu un scoop là? Non mais attends, bravo! Au moins c'est sorti! C'est sorti! Alors moi qui commençais à faire mon truc en disant ils ne veulent pas en faire parce que ce sont épouvantables, c'est même pas en rêve quand je veux dire. C'est génial. En tout cas, je suis très très content d'attendre 2024 que ça sorte. Voilà. Donc, il y a toujours un temps de développement qui est très long. Oui. Le temps que vous soyez sûr de vos codecs, Qualcomm signe bien l'échec derrière pour les codecs, APTX et autres. Tu devrais bien travailler chez nous, Pépé.
Mon Dieu. Bon, non, surtout pas. Je rigole, j'adore Saint-Etienne en plus. Bon, mais si tu me permets, on va passer maintenant. Bien sûr. On finira avec toi parce que je dis, ouh là là. On va passer maintenant au jeune homme qui est ici. Alors, moi, j'ai des questions toutes simples sur l'intégration. Est-ce que chez vous, l'intégration n'est pas ce que on parlait le plus, tu vois? Mais les types de haut-parleurs qui sont utilisés sur l'intégration, est-ce que c'est le même genre de creuser? C'est-à-dire que vous avez uniquement, parce que je connais la réponse aussi, des produits haut de gamme, du beryllium, de l'utopia, vous intégrez ça aussi? C'est ça. Dans l'intégration, on a trois niveaux de gamme très clairs. Qui font appel à trois technologies différentes de haut-parleurs et de tweeters. Donc, dans le très haut de gamme, on a ce qu'on appelle mi-series avec mi-series Utopia, avec la membrane W iconique chez Focal et le tweeter en beryllium. Ensuite, on a les enceintes de la série 300 qui se marient très très bien avec les enceintes colonnes comme Aria ou Kanta. Et ensuite, la série 100 qui sont des enceintes d'entrée de gamme et qui se marient plutôt avec les enceintes Cora. Voilà. D'accord. Et donc, tu as toute cette gamme qui est adaptée à tous ces produits, mais c'est globalement, ça. Moi, ce que j'avais vu également chez toi, c'est que la plupart des produits, c'était vraiment les blocs, c'était du beryllium, Utopia. Vous gardez cette éthique complète qui fait que justement, Name cadre parfaitement avec cet écosystème, parce que vous êtes sur quelque chose, vous vous dites, bah, de toute façon, nous, on est Focal, on a un historique qui est quand même lourd et une philosophie, on ne va pas faire n'importe quoi, quitte à ce que ça... Ah, oulala, c'est ça. Puis on a vraiment notre expertise dans le très haut de gamme, nos ingénieurs qui sont des gens passionnés, sont plus intéressés aussi à travailler dans des produits qui sont juste fabuleux, plutôt que des produits plutôt entrée de gamme, où on sera beaucoup moins compétitif. Alors, j'ai une question qui est vraiment pour tout le monde. Est-ce que vous faites partie des seuls fabricants qui travaillent comme ça de façon intense autour du beryllium, dont on sait que, déjà à la base, pour que les gens sachent, le beryllium, le problème, c'est le coût du matériau. C'est-à-dire que directement, quand vous dites dans ce monde, qui est le nôtre, le monde de l'audio, on travaille sur le beryllium, directement, bah, tu vois la douille que tu te prends, parce que c'est directement le truc. Moi, j'étais là quand tu fabriquais les petits trucs à côté, si vous aviez pu mettre un garde avec un FAMAS devant le truc, en disant qu'on fabrique du beryllium, les gars, on fait les petits tweeters. Tu vois, l'idée, c'est que déjà, vous êtes parmi les seuls au monde à être à fond à ce point-là. Alors, on fait partie des fabricants exactement qui formons le beryllium chez nous à Saint-Etienne, ouais, c'est ça. Comme tu as pu le voir. C'est très encadré, très protégé. Il y a un process qui est extrêmement lourd. Mais le beryllium, c'est la membrane ultime pour faire des tweeters parce que ça allie rigidité, voilà. Amortissement et légèreté. Ah oui, voilà. Je suis convaincu, hein, mais je connais le ticket d'entrée. C'est là. Donc, si vous allez sur cette direction-là, il est évident que vos produits... voilà. Qu'est-ce que tu aurais d'autre à nous dire qui pourrait nous faire un peu kiffer avant que j'interviewe le monsieur à côté de toi? Eh ben, on lance sur le salon Aria K2 en home cinéma. Donc Aria K2, c'est le mélange d'une gamme iconique chez Focal, la gamme Aria, avec une membrane qui est issue du car audio, en fait, des développements car, qui est la membrane en Kevlar. Et donc on a allié le premier produit en Aria K2 936 il y a un an. Et aujourd'hui, enfin il y a un mois, on a sorti la centrale en K2 et les enceintes bibliothèques 906. Donc maintenant, c'est complet. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir offrir à nos clients la possibilité d'avoir un home cinéma chez eux. Alors, ton home cinéma, il est Dolby Atmos, comme on avait pu voir ensemble le précédent avec les petits satellites. Je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé, j'avais fait l'interview. Oui, décidez-vous. Voilà, j'ai craqué sur ce produit. Non, je ne sais pas si quelqu'un connaît ce produit avec les petits satellites comme ça chez Focal, je trouve ça génial. Et là, tu as un autre concept, parce qu'il était quand même, entre guillemets, assez cher, mais je trouvais que le concept est intéressant. Là, tu as quelque chose de différent. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus différent. On peut faire de la hi-fi parfaitement. Traditionnel. Traditionnel et du home cinéma, bien évidemment. En ajoutant des satellites des enceintes d'intégration pour faire le... Et ça se marie avec tes gammes, avec ces parfaits puzzles. Exactement. C'est ça l'idée de base. C'est ici, tout est présenté ici. Tout est présenté ici. On a une super belle démo, c'est moi qui l'anime. Donc il ne faut pas hésiter à venir sur notre stand. Mais il vous reste encore quelques heures, vous êtes dans les parages, on est à côté de la tour Eiffel, dès que ça brille, c'est nous à côté. Donc voilà, c'est beau, c'est magnifique. Bon, maintenant, si le monsieur qui est là, je suis fan d'un produit chez toi, tu sais lequel je vais te dire. Le museau. Museau. Voilà. Tu peux expliquer ce qu'est le museau pour les gens qui ne connaîtraient pas chez Naïm? Alors c'est une enceinte connectée, donc qui intègre l'ampli, le préampli, le streamer, les haut-parleurs, connexion Bluetooth aptX, RJ45, HDMI, c'est vraiment un produit qui est complet et qui fait de très bons résultats au niveau musical. Mais il est venu culte aussi au fil du temps. C'est devenu un produit culte. Mais le truc, c'est que quand on a vu pointer le produit, moi j'étais un peu surpris d'abord, et quand les gens ont commencé à l'écouter, quand tu as vu les réactions justement de la presse, du public, tu sentais que le truc grossissait. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance. Non, c'était pas gagné d'avance, et puis c'était...
En fait, le museau est venu du partenariat qu'on a avec Bentley. Donc, quand Bentley est venu nous voir pour qu'on équipe leur voiture, au début, on leur a gentiment dit que ce n'était pas notre métier, parce que faire de l'AFI pour une voiture et faire de l'AFI pour une maison, c'est complètement différent. Et ils ont un peu insisté, ils ont eu raison. Donc, on a fait le projet Bentley. Et en fait, une fois ce projet terminé, on s'est dit, tiens, de tout ce qu'on vient d'apprendre, de tout ce qu'on a développé, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et c'est pour ça qu'on a intégré les amplis numériques qu'on a développés pour Bentley dans le museau. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Museau. Alors moi j'ai une question, puisqu'on peut parler d'une sorte d'écosystème. Est-ce que dans le Museau, tu avais déjà intégré des technologies liées à Focal dans la version, parce qu'il y a une version qui est arrivée plus récemment. Est-ce que vous avez donc ce côté hand in hand ? Alors, non, on y va. Est-ce que vous avez fait des choses autour de ça ? Tu peux le droit de dire non. Hein, non, mais bien évidemment, puisque le premier Museau qui est sorti était vraiment... C'est à combien d'années ? 5-6 ans ? Il y a 6 ans. Mm-hmm. 7 ans. Oh. Excuse-moi. Et le premier Museau qui est sorti n'avait pas eu l'expertise de Focal au niveau des HP. Par contre, quand on a sorti le deuxième Museau, on a demandé à Focal de dire, voilà, comment on peut vraiment optimiser les haut-parleurs, puisque c'est votre métier, donc autant en profiter. On est mariés depuis 10 ans, on fait partie du même groupe. Comment on peut vraiment travailler main dans la main ? Donc aujourd'hui, c'est vrai que tous les HP qui sont dans les museaux ont été optimisés par Focal. D'accord. Et là, il faut vraiment me donner une échelle de prix, parce que les gens voient une sorte de... C'est vrai que le produit est intéressant, parce que c'est vraiment une barre. On a l'impression que c'est une barre de son à la base. Enfin, on a un côté presque, on passera en dessous. Le produit est onéreux parce qu'il sait faire des tas de choses et qu'en l'écoutant, là, je vends pas la peau de l'ours, je l'ai déjà écouté, on a quand même une sensation hi-fi immédiate. Ça fait pas un pli. D'où le fait qu'il soit pas onéreux, parce que pour la qualité du produit, très honnêtement... Oh, les mecs, ils me coincent en plus. Non, mais... mais laissez-moi sortir. Je voulais qu'on me tue ce matin, mais je sais pourquoi. Mais non, mais... Pépé, tu l'as déjà écouté... Pas qui est ce Pépé, non, mais tu l'as déjà écouté plein de fois, mais tu adores ce produit. Mais oui, mais je voulais t'amener sur le... Mais par rapport au prix, très honnêtement... Alors, tu le reprends à l'envers. Non, mais ça coûte quand même cher. Ça coûte pas... Alors, chacun... Peut mais peut-être penser... pas donné le prix, hein. Moi, je sais pas. Bah, alors, un museau coûte 1499 euros, mais aujourd'hui, pour le prix, on a un meilleur résultat que certaines chaînes qui coûtent beaucoup plus cher. Mais dans ce cas, je veux des noms. Il faut pas la mettre sur le salon, quoi. Dis-moi où ça se trouve. Laisse faire le tour. Non, mais j'ai pas d'oreille, elles sont en carton. Donc, je suis d'accord avec toi. Le produit, je vous invite à l'écouter parce qu'en plus, c'est parfaitement atypique. On se doute pas que c'est ce son-là qui va sortir de ce produit-là. Exactement. C'est ça le truc, la surprise. Quand tu vois le système où tu vois une grosse barre de son avec tout le machin et tu sais quand tu veux appuyer, wow, tu sais pourquoi c'est fait, ça peut être le cinéma, Wi-Fi. Là, tu vois le produit, tu dis, bon, mais qu'est-ce qui va sortir de ça ? Et puis cette molette géante, là, le joystick de l'enfer. Non, c'est la folie. C'est un dérivé directement du statement, puisque notre gros ampli pré-ampli utilise déjà ce bouton sur le dessus. Ça peut et en fait, on l'a décliné sur Museau et sur la gamme. Mais Mini. C'est génial. Oui. Et en plus, c'est compatible de tout. C'est-à-dire que tu as 24 bits, tu as du Bluetooth, APTX, tu as tout avec. C'est vraiment une centrale, une sorte de centre de rassemblement, une sorte de garde de triage, mais avec une qualité ARS, avec... les amplis, toi, les enceintes là, c'est oh là là. Bah, on est marié, autant profiter pour utiliser ce que chacun sait faire. Oui, monsieur. Alors, est-ce que tu as des projets, des trucs que tu peux nous dire ? Parce qu'on a quand même une information absolument dingue tout à l'heure disant que Focal travaillerait peut-être, parce que d'autant disent, si on travaillerait peut-être sur un casque anti-bouille, là, ça me. Déjà, c'est dur pour moi, il va falloir que je me remette ça cet après-midi, il faut que je prenne une thé tout à l'heure. Mais toi, est-ce que tu as des trucs à nous annoncer pour 2022 ? Alors. Non. Tuez-moi. Alors, justement, on fête cette année nos 10 ans de mariage avec Focal et on va proposer d'ici quelques semaines. Il y a la presse pour prendre des notes, parce que là, à mon avis, d'ici quelques semaines, ça, c'est un truc nul. Un système en édition spéciale Focal Name. Mais je t'en dirai pas plus aujourd'hui. Non, mais le truc, c'est que j'entends ça, j'entends cher déjà. Non, mais je sais pas pourquoi ça a fait. Mais on s'en fout, vous allez me dire, le plaisir n'a pas de prix, on est sur le salon du PAV. On sait tout ça. Il faut pas tout ramener au prix. Mais non, mais à un moment donné, les gens, il faut quand même. La qualité du produit, oui. Il y a entre Focal et NEM, il y a près de 80 ingénieurs qui travaillent d'arrache-pied pour développer des produits de qualité et fabriqués en Angleterre et fabriqués en France sur des matériaux d'exception. Oui, à un moment donné, il y a un certain coût, mais quand on ramène ça au plaisir qu'on prend pour écouter,
Je suis désolé, je trouve pas que ce soit excessivement cher. Désolé de vendre des choses, surtout pas, si on n'a pas acheté. Bon, alors le truc, non, mais c'est vachement. Tu ne diras pas plus, on est d'accord, même si. D'ici quelques semaines, vous carrément, aurez... ça sera avant Noël. Oui. Et ça sera en vente à Noël. Probablement. Les mecs, mais si tu vas sortir des trucs, tu vois, le truc il va sortir au moment de Noël et tout. Et l'an prochain, il y aura des choses qui sortiront aussi chez NEM. D'accord, vous êtes au CES Las Vegas tous ou vous n'y allez pas ou vous restez en France? Moi, j'y serai pas. Toi, tu y seras pas pour un petit peu. Dans tous les cas, moi, je t'ai pas posé des questions sur un peu l'avenir parce qu'on est sur les enceintes, là, on a parlé des casques, on a parlé un petit peu de Name et du Muso. C'est le Muso 2, d'ailleurs, celui qui a l'investissement focal à l'intérieur. Toi, tu as des nouveautés à nous annoncer aussi pour ce qui va venir dans Focal à venir? Ouais, il y a toujours des nouveautés. Comme le disait Mika, il y a plus de 40 ingénieurs qui travaillent sur notre site à Saint-Etienne. Ils travaillent, ils développent des produits. Donc, il faut nous suivre. Il y a des nouveautés qui vont arriver, ça c'est sûr. Je ne peux pas dire quoi, malheureusement. C'est bien, je suis très content de faire cette interview parce qu'en fait, quand je suis là, j'essaye, pourtant j'ai tout essayé. J'ai l'expérience pour ça, mais quelque part. Moi, j'ai encore envie de poser quelques petites questions puisqu'on parle beaucoup actuellement, on en a parlé hier sur ce plateau, on parle beaucoup de cette offensive de la part d'Apple, de Dolby, sur Dolby Atmos, For Music et autres. Vous, en tant que fabricant de produits justement de haute qualité, parce qu'on ne peut pas dire le contraire, vous êtes sur des produits où vous travaillez avec les gens qui ont des fichiers en qualité Hi-Res ou de la LAC ou autre. Quelle est votre vision par rapport à ce qui se passe dans cette industrie musicale? Pour vous, c'est une aubaine ou pas, sachant que vous n'avez pas quand même beaucoup de systèmes Atmos? On en développe de plus en plus des systèmes Atmos. On y va parce qu'on sait qu'il y a vraiment un marché, c'est le futur. Nous, on le voit vraiment comme ça, c'est le futur. Et de plus en plus, on va être amené à considérer l'Atmos même au cœur de nos développements quand on va développer des haut-parleurs pour l'intégration, vérifier toujours l'usage Atmos. Cora, qui est sorti il y a 2 ans, on a une enceinte aussi tout intégrée, ce qu'appelle Dolby Enable Speaker, avec le haut-parleur d'élévation sur le dessus, qui va pointer le plafond, ce qui évite en fait d'avoir des haut-parleurs au plafond. Donc on y vient de plus en plus dans toutes nos gammes. Il y a des réflexions sur l'Atmos parce qu'on sait que c'est le futur. On sait que l'audio 3D, c'est vraiment ce qui arrive et tous les producteurs commencent à s'y mettre. Donc, en effet, maintenant, ça vient vraiment au cœur des projets et on doit y aller. Enfin, on y est déjà et on doit continuer parce qu'il y a de plus en plus de demandes là-dessus. Parce que c'est vrai, quand on pense focal, même moi, bon, c'est vrai que je suis un petit peu plus vieux que vous, mais quand on pense focal, on pense toujours à une sorte de stéréo noble avec l'idée d'avoir comme ça deux haut-parleurs. Il y a des gens qui sont encore réfractaires au fait de passer à quelque chose qui serait spatialisé, une bulle et autres. Donc, il y a beaucoup de fabricants dans l'industrie qui se disent comment est-ce qu'on va prendre ce virage, sachant bien sûr que si Apple pousse derrière, c'est quand même pas des petits. Mmh. Et quand Apple dit on fait du Dolby Atmos avec Dolby, la spatialisation, il est évident que les fabricants sont en train de se dire comment est-ce qu'on va, on va pousser tout ça, comment on va l'adapter à nos gammes. Et voilà, c'est l'idée. Donc vous avez vraiment l'idée de ces satellites, de créer ces produits autour peut-être des gammes existantes, comme tu as dit, de poser un haut-parleur d'élévation. Et ça, c'est des trucs qui existent déjà chez vous, dans l'intégration. Et puis, je rajouterais que, oui, il y a la stéréo, il y a l'écoute Dolby Atmos en musique, pour la musique. Mais il y a aussi le jeu vidéo, mais aussi oui, tout à fait, le il y a cinéma. Des démos aussi. Et c'est ultra immersif et c'est super sympa d'avoir un système Atmos parce que c'est très enveloppant. Mm-hmm. Et oui, forcément, l'expérience est juste incroyable. Donc on poussera les produits. C'est super intéressant de vous avoir parce que c'est là qu'on voit un petit peu ce qui se passe dans l'industrie, les virages qui sont pris, les tournants. Et c'est vrai qu'il y a des choses, les lignes sont en train de bouger, de toute façon, n'importe comment, avec l'offensive du streaming, des plateformes qui sont maintenant en lossless, Hi-Res. Et encore une fois, je parle d'Apple parce que c'est quand même un choc quand Apple a annoncé on passe tout pour le même tarif, on fait du lossless. Pour des fabricants comme vous, c'est du pain béni. Mm. C'est un truc en disant voilà, on a accès, Spotify, ça sera pour la fin de l'année. Le marché, il change, il bouge. Et pour moi, c'est que du plus d'un point de vue client. Avoir une expérience immersive encore plus importante, il faut du coup qu'on s'adapte et qu'on puisse proposer quelque chose pour vivre cette expérience justement. Et je rajouterais juste, on a aussi une gamme pro, donc on accompagne les pros dans la création musicale, et bon, notre collègue pourra en parler mieux que nous, mais les professionnels dans les studios poussent énormément pour s'équiper en focal entre autres, pour la réalisation de projets en Dolby Atmos. Mais j'en doute pas une seule seconde. Et moi, je voulais vous remercier tous les trois parce que c'était une très belle session. On a parlé d'avenir, on a su des trucs, on a su des trucs, on a su des trucs. On va les applaudir. Merci beaucoup. Merci. Oh là 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 là. Merci. C'était génial. J'espère que ça vous a plu. On a parlé de tas de choses, d'avenir. On va se quitter pendant quelques instants, tant qu'on allait prendre un petit thé et autres. On se retrouve juste après. Si vous êtes encore dans les parages, près de la Tour Eiffel. Vous voyez la Tour Eiffel? On est à côté.
tout prêt. Vous pouvez venir encore jusqu'à 18h voir tous ces produits, enfin les écouter surtout dans tous les stands. Et dépêchez-vous parce qu'il y a du monde déjà partout, parce que c'est blindé, on est très content. Voilà, c'est le retour d'un salon physique. Vous ne pouvez pas rater ça quand même. Allez, on vous attend. À tout de suite.